Ces citoyens de Dobo sont réunis ici sur l'esplanade du Centre des jeunes et loisirs de la commune. Ils sont venus écouter les informations des candidats du Bloc républicain dans la 12e circonscription électorale. Les élections vont se passer dans la paix, dans la quiétude. Et qu'il n'y aura pas la guerre au Bénin et qu'aucun bain de sang ne coulera le sol du Bénin. Le Bloc républicain, une formation politique résolument engagée vers la défense des intérêts de la couche juvénile. Bloc républicain, c'est le cheval des jeunes. Nous invitons nos parents du Koufo, je ne parle pas du Bénin, du Koufo, USL, FCBE, à se joindre à nous pour que cette révolution devienne une réalité. Si on commet l'erreur encore de revenir en arrière, notre génération sera sacrifiée encore pour 20 ans. La jeunesse, couche de premier rang, semble déjà comprendre le message. Et les raisons ne manquent pas. Si je suis derrière l'honorable David Bangba, c'est à cause de ses actions dans la commune et dans le département du Koufo en général. À vrai dire, ses actions ont impacté toute la couche juvénile. Et ces actions sont à l'endroit de tous les jeunes de Dobo, de Toviklin, de Lalo. Nous sommes là pour bâtir la jeunesse. Quelqu'un qui, par exemple, a appris son métier, nous sommes là pour l'aider à avoir son atelier de couture, de coiffure, menuiserie bois, menuiserie métallique. C'est à cela que nous sommes appelés. Voilà. Je voudrais dire à la population béninoise que ce que Dieu a établi pour la nation doit s'accomplir. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le plan de Dieu. Après l'étape du centre-ville de Dobo, cap est mis sur une autre localité de la commune. Il s'agit de l'arrondissement de Ronton, où une foule de militants attendait la délégation du Bloc républicain. Le contenu du message ici n'a pas varié. Une manière pour les leaders du parti du cheval gagnant de mettre tout le monde au même niveau d'information.